Bah, tu sais quoi? On est lundi, c'est 19h, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? The Big Gevowski, le nouveau, vient de sortir. Et en plus, le lundi, c'est nouveauté ou gros titre. Alors vraiment, la classe, quoi. Bienvenue à toi, on va se faire effectivement une nouveauté aujourd'hui. Et pour rester quand même dans le thème généraliste de la thème, pour rester dans le thème principal de la chaîne, on va parler shmup. Et donc une nouveauté shmup aujourd'hui. Alors on va même dire c'est une preview. Le soft que je vais vous montrer, c'est du work in progress, on va dire. D'accord. Je vous tease de quoi je parle. Je parle de Blue Sabers. Alors Blue Sabers, il a même pas encore de jaquette pour vous dire si c'est vraiment une preview qu'on vous montre là. Donc voilà l'animal. C'est un petit shooter vertical qu'on espère grand, qui est tout en 3D apparemment, qui respecte bien son format 4 tiers et qui a deux petites particularités. Alors la première, je vais la faire voir, ce sera vachement plus simple. Bah elle est directement dans le jeu. Alors faut parler un petit peu japonais, c'est toujours pas mon cas mais je m'en sors très bien parce que je suis un acharné. Donc la première chose qu'on va remarquer, c'est que en fait on a trois tirs. Si vous regardez en bas à droite, vous avez vos trois boutons du pad qui sont mappés sur des tirs secondaires qui sont au nombre de 3. Mais, il y a un petit mais. Ils sont en munitions limitées. Donc ça veut dire qu'à un moment ou un autre, vous finirez par les épuiser. Et dans le jeu, on ne ramasse pas de bonus. Vous y croyez? Donc du coup, il y a de quoi se faire un petit peu surprendre. Mais heureusement, la cavalerie est là. La cavalerie, vous la voyez à gauche. Non, pas vraiment. On la voit pas en fait sur l'écran. La cavalerie, c'est un avion que vous pouvez appeler, le Garuda, qui va venir vous ravitailler et vous protéger en plus. Et pendant toute la séance où il sera là, bah, vous pourrez continuer de tirer, mais vous serez plus une cible, donc vous allez moins scorer. Et puis par contre, le Garuda, lui, il va morfler. Ça veut dire que si vous faites trop le con avec, il y a moyen que vous le détruisiez. Et après, vous n'aurez plus jamais accès au ravitaillement en vol. Donc c'est grillé pour vos trois armes... annexes qui sont quand même relativement vitales vu qu'elles tapent relativement fort et qu'il faut s'en servir donc avec parcimonie. Je vous ai bien expliqué le truc. Bon, on va y aller maintenant parce que rigoler c'est bien, mais on veut voir si ça se joue. Et vous allez voir que le gameplay s'adresse à un public très particulier, j'hésite pas à le dire. Hop. Et bon, on y va. Peut-être me baisser le retour parce que vous allez la voir. C'est y part. Alors, je pense que plus tard il y aura de la sélection ici, mais pour l'instant il n'y en a pas. Et oui, il faut faire avec ce qu'on a. C'est une preview, les gars. Early preview. Donc, pas menti, c'est tout en 3D, tout très fin. Tir principal, bim bim bim, il tire pas très très bien. Mais bon. Non, je ne tirerai pas avec mon tir secondaire parce que je vais l'économiser. Je prévois que je vais avoir la visite de gens de malfrats, de gougnafiers et d'autres choses mal intentionnées du même genre. Alors, vous reconnaissez ce déplacement de boulettes très lent, très très particulier. Oui. C'est ce type de gameplay qu'on a là. Donc du coup, il y a plein de gens déjà, ça va pas leur convenir. Et je les comprends. Moi, perso, c'est pas le gameplay qui m'éclate. J'aime beaucoup quand c'est énervé. Ceci dit... Bah, ça a l'avantage quand même de nous éviter d'avoir un remix du Xème titre avec des petites sorcières. Parce qu'on commence à les avoir bouffées à toutes les sauces dans ces shoots là. Et je pense que les petites sorcières là, elles sont parties à la maison de retraite, hein, elles ont plein le cul. Qu'elles sont devenues grandes et vieilles et fripées. Faut y penser à ça. Alors, comment ça, monsieur K, tu joues comme un dieu aujourd'hui? Oui, bon, je sais pas ce qui se passe. Ça va pas durer, je pense. Et en plus, je suis en train de claquer toutes mes armes secondaires, hein, que vous auriez pas remarqué. Donc grosso merdo, je vais me retrouver à poil quand va venir... Qui ça? Bah quand va venir... Comment ça? Mais un avion? Non. Un Superman? Non. Une deux chevaux. Probablement un boss. Enfin moi je dis ça, qui suis-je pour m'avancer dans de telles directions? Un boss dans un jeu vidéo? Non. Oh, mais quoi qu'une caisse? Comme dirait un certain... Ah! Vous savez quoi? Ah! Ah! Non! C'est lent, mais c'est... Il faut gérer quand même. Et pourquoi il y en a un deuxième? Non, tu ne fais pas ça. J'ai des gens que je connais qui regardent le stream. Ah, je me suis pris une prune. Alors, je vais appeler mon équipier. Équipier, la rescousse, ravitaille-moi tout ça. Et vous voyez mes petites jauges qui ne sont pas de la jungle. Je ne suis pas un dimanche, j'ai pas droit à ce jeu, non.
qui n'est valable que le dimanche, eh ben elle remonte. Et après je peux lui dire, barre-toi mon équipier, je m'en sortirai tout seul. D'ailleurs c'est ce que la dame est en train d'expliquer, hein. C'est ravitailler les armes, mais utilisez-les bien, à bon escient, sur le bon boss. D'ailleurs le boss il est là, j'aurais dû les garder. Ça va bien se passer. Il y a un poil chaud tendu lui hein. Il va vite falloir. Je suis à vide. J'ai niqué toutes mes armes secondaires. Ça va pas super bien se passer, comme dirait le fameux commentateur de shmup qu'on voit sur les chaînes vidéo. Je fais appel à mon équipier qui m'a sauvé d'une flopée de boulets absolument monstrueuse qui m'était destinée. Et qui aurait pu être ma fin, tout simplement. Puisque si je me fais toucher trois fois, c'est le game over fatal. Je suis full. Je vais te défoncer, sale boss. Prends garde à mon Kouroux. Ah merde, ça c'est idiot ça. Bah oui, bah, on peut pas être bon de partout. Et c'est une victoire haut la main de l'humain qui repousse encore ses saletés d'extraterrestres, mais loin. Je crois que le jeu va pas sortir à cause de moi en fait. Mais madame. J'ai droit du rab? Alors, c'est une démo. Et cette démo, aux joies, au bonheur, au plaisir intense, bah regardez dans la description, je crois que vous pouvez la télécharger, il me semble. Donc ce serait bête de pas en profiter, comme ça vous vous faites directement la main dessus, et puis vous voyez si le gameplay vous correspond. Oui, il faut faire attention, alors je le rappelle, faut bien faire attention à ce gameplay qui est quand même particulier. Faut aimer les boulettes qui se déplacent lentement. Il y a des gens à qui ça plaît particulièrement, il y a d'autres gens qui détestent ça profondément. Et c'est très important d'en avoir conscience, puisque ça fait partie du gameplay, et derrière on est très très curieux de voir sur plusieurs niveaux l'utilisation qu'il va y avoir du fait de devoir appeler son vaisseau coéquipier pour se ravitailler, et le fait de le mettre en péril, puisque c'est en plein milieu de la partie, donc il se prend les boulettes, et qu'à un moment ou un autre, si on tire trop dessus pour se ravitailler, on risque de le foutre en l'air. Il va y avoir peut-être une stratégie de jeu à développer à longue échéance pour arriver à tracer son chemin dans les niveaux, je sais pas. Enfin, tout est que Blue Sabers, c'est vraiment pas mal comment c'est foutu pour démarrer. On est au tout début de la phase de finalisation du jeu. Et on espère qu'une chose, c'est en re-entendre parler très très bientôt. Moi, je vous laisse avec le petit link du Tipeee en bas dans la description si ça vous tente. Ça peut toujours aider, puisqu'il y en a besoin. Faut qu'on passe à vitesse supérieure l'année prochaine. Il y a plein de projets pour The Big Game Oski. Le principe, c'est de rester gratos et accessible à tout le monde. Mais pour financer, il y aura des parties qui seront sur accès privé, réservées aux gens qui soutiennent, histoire qu'on puisse avancer un petit peu et sans faire la manche comme un clodo, au moins essayer de réunir les passionnés et puis de se tenir un budget et se faire notre petit club de schmeumeux invétérés, invertébrés, je pense, surtout aussi. Voilà, je vous laisse surtout avec ce que vous attendiez des deux streams, c'est-à-dire la playlist généraliste, la playlist des schmeups, et en cadeau, je vous laisse un stream surprise aujourd'hui, tiens. Allez, prenez soin de vous, prenez soin des autres, à demain, 19h, ciao.